Bonjour les amis. Alors voilà, ça y est, je suis à Carthagène, je suis dans un hôtel comme savent le faire les latinos, splendide, j'allais dire les espagnols, mais on n'est pas en Espagne ici, on est en Colombie. En Colombie, l'hôtel s'appelle le Santa Clara, superbe cadeau de mes enfants et de mon épouse, donc 4 jours de tranquillité. Alors pendant ces 4 jours, je vais essayer d'être sage, je vais essayer de me calmer, je vais essayer d'être tranquille et surtout de me reposer. Alors bien sûr, je vous l'ai promis, je vais vous faire visiter la ville, je vais vous faire visiter les poivrons colombiens et je tiens quand même à vous dire quelque chose de très important, même que ce n'est pas l'objet dans cette vidéo. Vous savez que la Fondation de France a accepté la fondation de l'Orange Spartz. Et on attaque fort. Quand je dis « on », j'ai la prétention que votre samouraï a participé à cette attaque. À savoir, on diligente, le rapport a été fait, on diligente, un rapport qui va être publié dans tous les journaux médicaux du monde, à savoir il y a un truc centralisé, m'en demandez pas trop, et puis ces vidéos, cette communication sera officielle d'ici quelques jours. Alors après, il faut un certain délai pour qu'elle soit publiée, mais quoi qu'il en soit, c'est lancé. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que déjà, s'il faut 3 mois rien que pour la publication, si en plus de ça, après, il va falloir négocier avec la Fondation de France pour pouvoir entamer les essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques, je dis n'importe quoi. Les essais qui n'auront rien de thérapeutique, au contraire, sur les souris. Sur les souris afin de savoir si les souris vont mourir ou pas, ou si on va sauver les souris en leur donnant le traitement qui a de très grandes chances d'aboutir. Ce sera quelque chose à cumuler avec d'autres choses que font d'autres professeurs à travers le monde. Mais je pense objectivement qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin, non pas cette fois-ci du patient, mais à la fin du cancer. Aujourd'hui, c'est la mort du cancer qu'on est en train de programmer. De ce fait, je vous demande votre aide. Je participe financièrement de manière importante. Et ce, depuis le début. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour vous donner une idée, une seule souris, et il en faudra des milliers, une seule souris coûte 300 euros. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il faudra beaucoup d'argent. Et on n'a pas le temps. Vous savez qu'il y a 9,5 millions de morts par an. Alors, je ne prétends pas qu'on va les sauver tous, mais si déjà on sauve ne serait-ce qu'une partie des 200 000 Français qui meurent chaque année, c'est pas beau ça? Alors, pour vous remercier, je vais créer un livre d'or pour ceux qui auront participé à sauver le monde du cancer. Alors, vous pensez peut-être que je suis exalté, utopiste? Non. 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 Vous me connaissez si vous avez suivi mon millier ou plus, j'en sais rien, de vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Eh bien, ce que vous pouvez constater, c'est que je suis réaliste. J'ai été réaliste, j'ai toujours dit à tous mes abonnés, amis,